Salut à tous, c'est Gros, on se trouve sur Dark Souls 3 pour la suite du Let's Play devant un petit panorama, tranquillement, voilà, comme ça. En fait, je suis juste en haut du Nexus, tout à l'heure je suis passé par là pour aller récupérer un item que j'avais loupé, j'avais vu dans la vidéo que j'avais loupé un item. En fait, c'était juste un bouclier qui, bon, c'est un bouclier en bois qui est franchement pas terrible par rapport au bouclier que j'ai qui bloque lui à 100%. Bon, après, il est bon, il bloque la magie à 70 et moi à 50, mais bon, je pense pas que je me servirais de ce bouclier, honnêtement. Et voilà, c'est sympa, j'ai eu cette petite zone, alors je me suis dit on va l'explorer ensemble, juste pour que vous voyez un peu d'où je suis venu, voilà, je suis juste monté là. Déjà il y a cet arbre qui était dans les Dark Souls 2, donc c'est un géant un petit peu pétrifié en arbre. Une graine de l'arbre géant n'est pas encore tombée. Ok. Et ici on a cette petite tour que j'ai pas essayé d'ouvrir, mais je suppose que c'est fermé. Essayez marchand. Verrouillé à droite. Il n'y a que dalle, à part le vide et la mort. Il y a une échelle raccourcie. Je peux pas. Non, là, je pourrais pas juste sauter et la choper, quoi. Je vais essayer d'aller là, j'ai vu qu'il y a du loot. Ah! J'y arriverai. Ah non. Non, non, j'y arriverai pas. Non, j'y arriverai pas. Et d'ailleurs, c'est absolument pas fait pour que j'y arrive. Donc, on s'en va d'ici. Directement, voilà. Sympa. Ça valait le coup de prendre le temps de venir ici, quoi. Ah! Ok, juste, j'ai eu un élan de curiosité, il y avait marqué essayer marchand, effectivement. Voilà, elle vend la clé de la tour abandonnée, cette située derrière le sanctuaire. Ça vaut 20 000 âmes, hein, par contre. À un autre niveau, ça vaut pas le coup du tout, parce que, attendez, il nous faut combien, nous, il nous faut... Ouais, il nous faut 1800 âmes pour augmenter de niveau, donc claquer 20 000 dans une clé, c'est peut-être pas... Peut-être pas le mieux, ce qu'il y a de mieux à faire. Grand mur de loterie, on est de retour ici. Et je sais pas où je vais d'ici. Bon, je vois le dragon. J'ai pas de quoi lui tirer dessus par contre. Ah oui, voilà, on peut descendre là, c'est pour ça. Non, oh, d'accord. Ça va peut-être mieux fait de pas la tirer, surtout qu'ils sont deux maintenant. Ok, bon bah je vais mourir. D'accord, donc Ok. Bon bah on est reparti, hein, écoutez, deuxième essai. On va faire en sorte qu'il me voit pas cette fois, lui. Bon, limite l'autre là-bas, je m'en fous qu'il me voit, même s'il me voit pas. Toi, tu vas passer dans mon piège. Oh, comment ça, il a pas sauté? Je lui ai dit de sauter. Die! Die! Ok. C'est quoi ce bruit, j'ai entendu? J'ai entendu du bois, là. Il y en a un autre là, salut. Oh, l'attaque! Putain, je m'attendais pas à ce qu'il court directement vers moi. Il fait assez sombre ici, mais j'ai pas de torche, donc... il va falloir faire avec, écoutez. Il y a une porte là, mais je peux encore descendre. Bon, qu'est-ce qu'il y a là avant? Par des trucs classe. Ah, c'est un autre dragon qui est mort. Salut. D'où est-ce que tu viens, toi? T'as dû me voir. Non, non, il a tout gâché, lui. D'où ils sortent tous, là? Ils me targetent de je sais pas où. Oh, mais lui, j'en peux plus de toi. Oui. Insupportable, ce mec. En plus, il y a du loot là. Bon, alors du coup, comme j'ai été traité de la sorte, dans ce petit recoin, je vais aller là. On va voir ce qu'il y a ici. Ok, salut, tu m'as loupé, c'est dommage. Putain, je fais n'importe quoi là. Je vais essayer. Meurs ! Il y a bien de la vie, lui. Et hop, j'ai plus de potions. Allez, on est parti. Il m'a rien drop. Verrouillé. On peut pas descendre plus bas ici, non. Je peux aller là-bas et avoir une autre porte verrouillée encore, super. Un petit piège à droite ou à gauche là. Couteau de lancer. Je pourrais essayer sur lui, je suppose. Ça me fait peur. Oh, salaud! Ah, c'est quoi, c'est des barils de poudre, il a voulu me faire péter. Qu'est-ce qu'il se faisait, il a tapé dans le mur là. Non, le mur qui m'a niqué. Perce-maille. Ok, alors ça c'est une épée d'estoc. Moi j'en veux pas, honnêtement. J'en veux pas. J'ai pas encore eu vos retours, mais quand j'ai regardé la vidéo, j'avais l'impression que je prenais quand même pas mal de temps dans les inventaires. Peut-être ça va en énerver certains. Là je dirais juste un peu ce que c'est, les items que je ramasse et pourquoi je les utilise ou pas. En l'occurrence, moi là, une arme d'estoc, ça m'intéresse pas trop. Verrouillé. Ah putain, c'est un PNJ, ça je le vois. Bon, j'ai pas la clé pour le sortir de là pour l'instant. Donc tout ce chemin... pour rien, hein. Allez, welcome to Dark Souls.
On repart ici avec ma... mon unique fiole d'Estus. Non, ça vous énerve pas ça non plus que je tape votre déité. Sans. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Essayez feu. Qu'est-ce qu'il prit? C'est tellement tordu. Salut! Non! Pas encore! Oh, il a trop. Oh! Ok. C'est assez impressionnant. Ah, je te déteste, genre, tu meurs. Bon, moi je suis mort. Il me suit, je l'entends. Il me tuera pas avant que j'ai le loot. Oh putain! Non! Non! Va pas là-bas! Non! Oh! Oh! Putain, y'a un serpent là! Ça donne du loot ça! Connerie de serpent. Oh, pourtant je le savais qu'il était là en plus. Je suis comme l'autre venait pas, je me suis dit bah lui non plus peut-être avec un peu de chance. Salut. Donc tout à l'heure tu m'as entendu, mais là que j'ai tué ton pote et t'as vu le cadavre tomber devant toi, si t'as pas traversé l'esprit que je pouvais être là. Bombe incendiaire. Bon, je vais essayer du coup. Parce que c'était la recommandation d'un joueur. J'en ai 19 bordel, je pensais pas. D'habitude on en a pas autant, t'en ressouffles aussi vite en plus. Alors c'est lequel là qu'il faut que je brûle avec le feu? Il va crever! Je suis sûr qu'on doit pouvoir le tuer hein, rapidement. Oh! Ça marche bien! Oh là là! Ça marche très très bien même! En même temps il nous donne des bombes incendiaires juste avant donc... On va prier qu'il puisse pas monter, on va prier qu'il me choque pas sur l'échelle, qu'il me chope pas pardon. Il se casse! Il s'en branle! Ah non, il hésite quand même. Putain, les objets aussi, ils les lancent avec beaucoup plus de punch qu'avant. Les bombes avant, c'était un peu un calvaire à lancer. Allez, à plus. Oui, oui, c'est ça. J'ai mis... Ah, fragment de titanite et braise. Important. Du coup, j'ai perdu ma braise. Alors, j'hésite à l'utiliser, pourquoi pas. Bon, remarque, si je me fais envahir, ça va bien me faire chier, cette affaire. Attention, là, il y a le lézardo. Non, j'ai plus la merde à louper aussi. Je sais où tu vas. Il s'en branle. Oh non, j'ai cru qu'il allait tomber avec mon loot. J'ai même pas vu. J'étais, oh, putain, j'étais tellement pressé de ramasser le loot pour pas qu'il tombe. C'est bizarre parce qu'avant ils étaient beaucoup plus méchants. C'est les lézards. Je vais pas pouvoir le faire. Ouais. Ils étaient beaucoup plus méchants les lézards dans Dark Souls, c'est-à-dire qu'ils se barraient quoi. Et quand il y avait un précipice, il y avait pas de mur invisible. Ah non, ils sautaient dans le vide et ça vous faisait chier juste. Vous avez juste perdu le lézard. Bon, je vais descendre là. J'entends un bruit d'armure. Je suppose que ça doit être le même. Oula! Ah bon? Ah! Ça c'est ma faute, j'ai pas regardé. Bon d'accord. On va tous prendre le temps de se calmer là. Oh, pff, quelle déception! J'avais tout préparé, mon master plan était parfait. En même temps, j'ai pas vraiment besoin de mana pour eux quoi. Il va tomber dans le vide, regardez-le. Ah bah voilà, il est tombé. J'essaie de le cibler mais système... Ah putain mais lui il est très fort. Ah, nice pré-shot. Bon bah sans dire x3. Casse le soldat en acier, je sais que c'est moins bien que celui que j'ai. Ok donc là je pense que si je descends je vais mourir parce qu'il y a un espèce de mec là. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Voilà tous ces passages alternatifs ça. Je peux aller là aussi. Oula. D'accord. Moi, sans dire noir. Ah, si je veux le viser d'ici comme un lâche, c'est ça? Je suis sûr qu'on peut faire ça en plus. Faites-moi voir. Je fais pas d'effort aussi, mon personnage. Cible-le! Tu le vois, il est juste là. Oui! Ah, mais qu'est-ce que c'est? Il se demande. Voilà! Bon, il peut pas monter les échelles, cet homme-là. Je me fais pas trop de soucis. Ah, c'est beau là. Ok. Ah. Holy shit. Il va me défoncer lui. Bon. Tiens. Non mais sérieux. Comment je l'ai loupé là? Ah bien essayé.
Oh le con, il voulait pas que je le backstab. Ouais non mais regarde, il a le même stuff que moi en 10 fois mieux. Ça c'était con de ma part. Oh non, backstab. Allez. Il a trop de vie. Putain, je me sens faible là d'un coup. Voilà. Tu as cherché. Voilà. Ah, le con. Attention, moi je triche. Ah merde, je voulais m'en mettre de la vie. Bon, bah j'ai triché quand même, mais pas comme je le voulais. Ah, j'aurais bien aimé que tu me droppes la hallebarde. Je sais pas d'ailleurs hein, quel type d'arme on va utiliser. J'ai pas envie de faire particulièrement une hallebarde, mais bon. Je sais pas, moi je préfère les épées d'habitude à gauche en vue. Alors? On trouve ça malin d'attendre les gens? Épée large, ah! Attention, je commence à arriver à quelque chose qui m'intéresse. Bon, c'est une épée ultra basique, l'épée large, je la garderai pas longtemps, mais... Au moins, ça me fera une épée. Faites-moi voir les dégâts que ça fait. Ah bah, je peux pas utiliser Persomail, par exemple. 117. 104. Ouais, on va voir comment ça se joue, mais... C'est vrai que j'ai pas trop de portée avec, donc... Faites-moi voir la maîtrise d'armes. Hein? Ça me met en stance, comme ça? Et après je suppose que je fais des coups. Ah d'accord. Donc c'est vraiment la lance qui est ultra limitée au niveau de la magie. Je vais absolument essayer ça moi. On va tomber là non? Je vois le sol qui est pas régulier. Ok non, je suis juste parano. Fleur verte. Je vais pouvoir me faire une potion de vie à la Resident Evil. Je peux encore descendre là. Mais après je vais être perdu donc... S'il y avait du loot en dessous. Sur la plateforme. Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai trop d'endroits où aller, ça me fait chier, à force. Pas possible ça. Ah non, remarque là, ça... Oh, ok, ça descend là. J'arrive. Hello. Monstre nécessaire. Ah, j'ai fait du bruit, attention. Oh yes. Je crois que je te vois pas. Ok. Ok. C'est tellement classe ça. Je sais tellement pas m'en servir aussi, c'est génial de perdre de la vie alors j'en ai plus. Pourquoi l'autre fois j'avais gagné une fiole d'astuce, je me demande. Je me demanderai toujours de ma vie, je pense. Rempart de l'aigle d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi j'ai rempart. Rempart de l'aigle d'argent. C'est plus lourd. C'est pas forcément mieux d'ailleurs. Capacité, capacité d'armes. Attendez. Il y a des capacités pour les boucliers aussi. Ah oui, il peut pas parer lui, il met un coup. Ouais non, c'est chiant, moi je veux parer. Vous avez vu, je suis un pro de la parade. Je joue mal aujourd'hui, c'est dingue. Mais bon. Salut mon brave. Voilà. Fallait y penser avant de me tourner le dos quand même. Putain, il y a un dodge et tout. Bon, le dodge par contre, comme j'ai plus... Non mais, faut arrêter de décibler tout seul là. Mais arrête! Peut-être une option là, il est coché toute seule, une nouvelle option. Oh, mais c'est horrible, y'a un mec avec une hallebarde et tout. Ah, mais des escaliers là-bas. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Putain, mais y'a trop de monde. Oh non, un mec avec une hache en plus. Bon, viens là. Ok, putain, le système de ciblage me gave là. Ok, je voulais pas faire ça du tout. Oh, il réattaque super vite lui hein, quand on le touche. Faut attirer attention à ça, j'ai l'impression. Fais-les progressivement. Comment vous avez remarqué que je jouais pas comme ça aussi safe d'habitude, mais là j'ai plus de vie quoi. Oh putain, c'est vrai que ça l'a interrompu. Voilà, dead. Fragment de titanite. T'as une petite fiole d'astuce pour moi? S'il vous plaît. Toi là-bas. Alors qu'on voit un autre joueur, le spectre d'un autre joueur qui se balade tranquillement. Il a une torche, je crois. J'entends plein de bruit. Feu en vue. Non. Putain. Message utile toujours. Pardon. Je veux pas faire autant de bruit. Il y a 1000 chevaliers là-bas. Ah mais ils sont tous morts, il les a tous butés, c'est ça? Holy shit, c'est un bourreau. Attention, saut.
avant de me lancer dans ses griffes. Oh là, il voulait me faire mal. Ah, je peux l'attaquer plus rapidement en fait. Attention, il y a l'autre qui arrive, je veux pas qu'il voit nous battre. Voilà. Lui, il va être coriace là-bas. Grande hache. Holy shit. Ça, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ça demande bien sûr beaucoup de force. 32 en force. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ah, oh, ça, c'est cool, ça. Bien sûr, regardez mon stamina comme il s'en va. Attends, j'ai pas du tout les compétences. Est-ce que j'ai la moitié? Force 12. Parce qu'en fait, vous voyez, il me faut attribut requis. On le voit en bas. C'est 32 de force. Et si vous avez la moitié des points de force, c'est-à-dire si j'avais eu, si j'avais eu 16, je le mettais à deux mains, je prenais l'arme à deux mains et je pouvais jouer avec, sans qu'il y ait de malus, mais là je peux pas jouer en fait, je ferai pas de dégâts, j'ai pas ce qu'il faut pour jouer avec. Ok, calme-toi, toi très vite. On va se calmer là. T'es chiant! Voilà. J'ai marqué que je te stunais en te tapant, donc peut-être que je peux t'enchaîner contre l'autre, comme l'autre. Ouais. Allez, enjoy. Enjoy ta défaite, j'ai failli me faire toucher. Marin drop. Fragment d'estus. Ah, ça c'est pour avoir une fiole en plus. Que dalle, niette. Ah, le dodge. Mais je vais pas prendre de risque, je vais rester derrière mon bouclier. Et... oh, il est horrible, les yeux du vide, quoi. Voilà. Clé de cellule. Ah, bah voilà, bah on sait qui c'est que ça va libérer. Bon, alors, on se rappelle tous d'avoir libéré quelqu'un dans Dark Souls 1, qui au final était allé tuer notre gardienne du feu, donc la dame qui nous fait augmenter de niveau et tout ça. Hein. Et bah, il était allé la tuer, par vengeance, et on n'avait pas l'air en fait. On lui avait parlé, il avait dit oui, je vais sortir, t'inquiète pas, libère-moi. Et on l'avait fait, on s'était fait piéger. Salut toi. Ok, je me suis fait piéger, il y en a un à gauche. C'est classique ça en plus dans les Dark Souls. C'est ça que je l'ai entendu. Y'a un mec avec du feu derrière des jars d'huile, ça me fait très peur. Non, il y a pas d'escape. C'est mort. Salut, t'as l'air différent des autres. Ah non, t'es un assassin là. Et toi derrière tes jars. Bon écoute, tu m'as l'air bien niché là. Ah non, elles sont même pas explosives. Allez, à plus. Amulette de chasseur de morts vivants. Quoi que j'entends là, c'est pas là. Faut que je vous dise la description pour ça, parce que... le maître de chasseur de mort-vivant. L'icône me dit quelque chose, mais... le nom est différent. Oui. D'accord, c'était là. Empêche la récupération d'estus. Ah, d'accord. Ok. Donc ça, vous l'envoyez par exemple en PVP ou même en PVE, hein, sur une personne, et il peut plus utiliser ses fioles. Il peut plus se soigner. Est-ce que c'était par là qu'il y avait la cellule? Non, c'était pas par là, hein. Faut que je retrouve cette damnée de cellule. Ah bah oui, c'était en dessus. Oui, bon j'irai plus tard parce que je me rappelle maintenant comment il faut y aller à cette cellule. On va descendre par là. Salut. Plus de tête. Salut. Ouais, je t'ai vu, toi je t'ai entendu respirer en fait. Toi par contre, ça lâche. En plus c'était particulièrement faible. Ils ont tous plus de tête, alors est-ce que c'est un bourreau qui enlève les têtes? Manque cruel de armes. Ah oui. Il s'est fait éclater par 1000 personnes. Oh, c'est classe, je vais me faire défoncer. Mais ce sera classe quand même. Il faut que je garde des bombes incendiaires quand même pour la prochaine fois que je reviens, si je meurs. On va essayer de contourner, de ramasser un loot un peu partout. Braise, c'est bon ça. Putain, je l'entends. Rapière, encore une arme deathstock. Non, non, pas lui. Ah! Oh! Je m'en sortirai pas! Je m'en sortirai pas! Oh! Ok, ok, ok. Non! Casse-toi! Il va me rattraper, il va me taper dans le dos. Je vais mourir comme ça! Oh putain, il monte! Normalement, je peux le faire tomber, mais il va me faire des dégâts aussi. Et comme j'ai plus de vie, j'ai pas envie de prendre le risque. Bon écoutez, on va battre en retraite.
jusqu'au feu. On va utiliser les âmes et on va aller ouvrir la cellule de l'autre. Je vais me faire défoncer. C'est bon, je suis passé. Est-ce que je pourrais utiliser le feu? Ah, je peux pas. Oui, quand il y a des ennemis à proximité, vous pouvez pas fuir comme un lâche avec le feu. Oh! Je vais te défoncer. Je m'en fous, je suis à côté de mon feu. Ah! Eh oui, j'ai ma lance. Merci pour l'XP, Scrub. Allez, à plus. Nanana, salut. Tu sais pas ce que j'ai vécu, toi, hein, pour venir là. Oui, oui. C'est ça, niveau super. Oui, oui, fort bien. Blablabla. Alors, qu'est-ce qu'on augmente? Bon, la vitalité, ça m'a l'air cool. Augmenter, voilà. Maintenant, si je meurs, bon, j'aurai pas trop d'âme sur moi. On est de retour, je vais juste transvaser mes fioles d'Estus. Parce que le mana, clairement, j'en ai pas besoin. Comment ça marchait, du coup, pour le faire, là? Ah, merde, c'était peut-être au sanctuaire. Oh, bah, merde, on s'en fout, hein. Je m'en sortais très bien avec 3 fioles d'Estus. Très, très bien, merci. J'ai pas besoin de plus, pas besoin de moins, voilà, hein. Ce sera dit. Ah, salut. Comment ça va, mon brave? Calme-toi, hein. On a soupé de tes conneries. Oh, parfait. Oh là là, cet enchaînement de folie. Est-ce que vous sentez que le coup de pied était pas du tout intentionnel? Parce que ça a été pas du tout. Oh, je l'entendais en plus, il me poursuivait, ce gros connard. Ah, putain. Viens là, putain, je te défends. Et l'autre il s'est tué tout seul, parfait. Supportable, hein, ceux-là. C'est ras d'égout, là. Alors, la cellule, y'a plus personne, là, c'est bon, je peux t'ouvrir. Salut, clé de la cellule. Comment ça, mon brave? T'as la gueule, il fait flipper. You're no jailer, are you? Non, pas trop, non. No, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. Yes. If that's true, below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just an old woman. Loretta, please. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Accordez la requête. I humbly place my faith. I am Grey Rat of the Undead Settlement. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and... Ok. Allez, à plus. On se demande pourquoi t'étais là, quoi. Le mec peut se barrer en se téléportant. Donc, de toute façon, les dégâts quand vos PV sont bas. Bon, bah, je vais le mettre, hein. J'ai une place de 4 anneaux. D'accord. Je lui donnerai. Je sais pas si c'est un PNJ qui va être amical ou pas. Ce qui veut dire, quand il va nous aider, je pense, c'est qu'on peut l'invoquer à partir de maintenant. Je pense, hein. Bon, je vais passer... Non ! Pas encore ! Personne qui me suit, c'est bon ? Ah, les flèches restent dans le bouclier maintenant. C'est sympa. Ah, voilà. Je me disais bien qu'il y en avait un autre. Il y en a deux autres, bordel. Putain, j'ai oublié de changer le ciblage, attends. Et l'autre il fait quoi? Il s'en branle là? Il arrive à deux à l'heure. Tranquillement. A la plus, du bout de ma lance. Allez. On va descendre. Non, tu veux pas descendre avec moi? Oui. Enjoy plus avoir de mains et des gants brûlés. Dans cet ordre bien sûr. J'ai tapé une carcasse, je l'ai détruite, j'ai aucun respect. Et lui aussi. C'est quand même des soldats qui sont morts en combat, bordel, on peut pas les respecter. Et non! Elles sont vides d'ailleurs, c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est pas qu'elles sont juste décapitées, c'est qu'elles sont vides. Ça, y a une raison. Y a toujours une raison de toute manière pour tout ce qui est dans le décor dans les Dark Souls. Enfin, tous les trucs curieux comme ça en tout cas. Bon alors, j'ai hâte qu'il me défonce lui. On va se le tenter en combat à la loyale. On va voir. Est-ce que je peux le parer déjà? Je pense pas quand même. Je peux pas parer ça. D'accord, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce moveset. Je peux pas le backstab. Si! Ok, si je peux le backstab, je peux le parer, je pense. Ça le stun pas, je suis con vu comme il est gros en même temps. Ah c'est ça ouais, fais le malin avec tes sorts. Moi je t'attaque, je te laisse pas faire moi. Oui. Bon bah c'est bon en fait hein. Je pense que je serais mort tout à l'heure si j'avais essayé, mais là il était facile. Ah, est-ce que s'il disparaît ça veut dire qu'il reviendra plus la prochaine fois? Je sais pas.
J'aimerais bien. Qui lâche de la thune, le fameux gobelin des Diablo-like. Regardez-le tous. Il essaie de s'enfuir. Du coup, je perds de la vie, c'est génial. Oh là, je l'ai eu, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de sentinelle? Oh, j'ai plus de vie déjà. Est-ce que je pourrais mourir dès le début? On espère tous que non, mais j'ai 8 PV.